Yo tout le monde, c'est Sko, et let's go pour la suite du Let's Play Ark. Alors on se retrouve à l'endroit juste où je vous avais abandonné la dernière fois, juste ici, voilà. J'ai absolument pas fait dehors caméra, donc on se retrouve, voilà. Enfin si, j'ai fait un peu dehors caméra, je suis monté sur le rocher. Ça a pas demandé un gros investissement, on va dire. Donc juste, il y a un magnifique, voilà, Moshops. Après c'est juste insane à capturer, du coup c'est chiant. Et là on a... Ah! Alors je pensais que c'était un Akatina, je suis triste. C'est en gros un corps d'escargot. Ok, bah, c'est pas grave. Alors, on va commencer par faire 2-3 choses. Pour commencer, j'aimerais... Dites-moi que le poids va bien se booster. C'est parfait. Le poids se booste de façon correcte. Ah bon? D'accord. Bon. Est-ce que je vais pouvoir faire mon truc? Alors. J'aimerais savoir. J'ai tel nombre de métal. Je vais éteindre le feu. On va mettre ça là. Alors. Que nous faut-il pour faire? Arme commune mêlée. C'est pas l'épée. Mêlée. Voilà, c'est ça. Il nous faut encore du bois et de la peau. Peau et du bois. Ça, on s'en fout, je pense. Alors, je sais ce qu'on va faire. On va faire, voilà, une petite... Prendre ça et ça. On va mettre ça. Tac, tac. Tac, 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 tac. Tac. Ok. Et on va checker. On a combien de narcotiques? On a pas mal. C'est cool. Salut. Alors il va nous falloir juste... on va prendre notre parasaur. On va voir tourner. Voilà, son poids est maxé évidemment. On va mettre masse d'énergie. Nous on va prendre quoi? Nous on va prendre... La vie c'est bon, l'énergie c'est bon, le poids c'est bon. Je pense qu'on va prendre la vitesse maintenant. Et la résistance peut-être. Voilà, je suis level 96. Donc. On va, comme je disais, farmer. Et après on essaiera de se faire un dinosaure plus agressif. Ok, bon, on a combien de narcoberries? On en a masse, c'est cool. C'est pas là. Là, je pense que c'est... Ah, carrément. Ok, bah c'est de la viande qui va me manquer. Je vais mettre où? On va le mettre là. Le narcoberry sera dans l'armoire de conservation, on va dire. Mais qu'est-ce qu'ils se battent? Oh, c'est que ça. Mais vous les défoncez, ces petites merdes. Voyons. Bon.
Ça me fait un peu mal au cœur, mais je vais devoir vous abandonner quelques temps. On va monter. On va mettre des points dans l'énergie. On va devoir mettre beaucoup de points dans l'énergie. Et on va. Ouh, attendez. Wow. Alors, cette zone est vachement bien pour une base. Est-ce qu'il y a des bons trucs là-dedans? Pélagornis légendaire. Alors, j'ai vu une salle légendaire, j'étais content. Bah, j'ai vu que c'était Pélagornis, je l'ai été moins. Attendez, mais... Oh, alors ça. Alors. On va pouvoir commencer à farm le métal. Alors on se met bien, voilà. Donc le Pélagornis, je crois que c'est un oiseau de merde. Donc on s'en fout un peu en fait. Faut bien faire gaffe à pas tomber. Parce qu'un petit décalage dans le vide, c'est vite arrivé. Quoi l'arbre, c'est ça? Voilà. On le one shot l'arbre. Elle va augmenter un peu ton énergie. Et moi je vais augmenter un peu. Je vais augmenter quoi? On s'en fout, ça on s'en fout. T'as encore ma vitesse, pas trop. On verra après. On retourne à la base du coup. C'est quoi la touche pour se poser? Voilà. Crève, voilà. Juste il va devenir lui, hein. Il va commencer à maxer ses dégâts, mais croyez-moi, il va devenir. Hein. Pouf, 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 pouf. Merde. Voilà. Il y en a pour un bon moment de combustion, croyez-moi. Alors. Donc. Oh la vache, 2000 points. Oh. Alors attendez, où on était? On était par là. Alors. L'arbalète, c'est ok. C'est ok. Alors. Les pistolets, voilà. Est-ce qu'il y a des bons trucs? Centre d'usinage, ok, ça on va s'en crafter un dès que possible. Ah mais j'ai de quoi le craft je crois. Centre d'usinage, non? On va voir s'il y a la place. Alors attendez. Pistolet. Fusil d'assaut. Fléchette tranquillisante, voilà. Et c'est quoi du coup les trucs qu'on a dans les derniers niveaux? L'équipement de plongée. Alors ça, il nous les faudra absolument. Forge industrielle, pareil. Fusil de précision, évidemment. Lance-roquette, oui. Fléchette de phéromone, évidemment. Bouclier anti-émeute, je pense. Plateforme pour Mosasaur. Ou...
Oh, je sais pas. Tourelle minigun. Je sais pas non plus. Fléchette tranquillisante. Améliorée. Attendez. Ah non, ça c'est de la merde en fait, ça m'en fout. Ah, j'avais pas vu. Plateforme pour Gezal, ça évidemment. Alors, attendez. On va mettre un point dans un truc random. Genre. Genre la vitesse. Du coup, attendez, c'est quoi les trucs des derniers niveaux? Alors. Le full stuff anti-émeute, évidemment. La meilleure armure du jeu. Et après, il nous restera. Ça, c'est la tourelle tech, je crois. Non, la tourelle lance-roquette. Ça, c'est la tourelle auto et ça, c'est celle de Titanosaur. Ok. Donc, qu'avons-nous à craft? Alors. Je crois, attendez. C'est un fusil à canon long, voilà. Dans atelier. Arme. Arme à feu. Fusil à canon long. 95 lingots de métal. Oh la vache. Ah ouais. Et les munitions. Balles de fusil à canon long. Poudre. Ah ouais, mais il va falloir la laisser tourner un long moment, hein, celle-là. Bah, qu'est-ce qu'on va faire en attendant? On va faire des fléchettes tranquillisantes, nous. Attendez. On s'en prend une centaine, voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il nous faut quoi déjà pour faire des. Des flèches. On va en faire. On peut en faire plus. Il manque des branchages. On va faire 100, voilà. L'arbalète, il faut quoi? Il faut des fibres. Ok. Ah non, j'ai pas de cristal, voilà. C'est ça qui me manque. On va mettre ça et il nous faudrait une épée. Merde, j'ai fait une capture. On s'en fout. Ah, comme une mêlée épée. 50 de métal. Ok, ça va être cher. On va en crafter 70. Est-ce qu'il y a suffisamment de bois? Il y a combien de placements? Ouais. Falloir laisser charger à bon moment. Drop, ça drop. Ok. Oh mais attendez. Non, attendez, je sais plus comment j'ai fait pour. Je sais quoi la touche pour activer ça. Parce que ça rend moche. C'est H. Apparemment. Je sais plus comment on fait. Comme touche. Ok, c'est Q. On aura besoin de voilà quelques narcoberries que l'on va mettre ici. Et on va tout redrop ici. Et du coup, on va
On va craft une centaine. Et ressortir instant parce qu'il y a des problèmes. Non mais c'est fou, le Ptera, il est vénère. Ça faut pas essayer de le faire chier. Hein. Ah, mais vous me saoulez! Allez! Allez, cette fois-ci, on y va. On va les laisser, c'est un peu triste, mais tant pis. Là, donc notre taf, ça va être de récolter un bel animal. On va te mettre. On a plus de dégâts. Là, il va mettre des. Il va mettre des patates, le Ptera. Juste, il aura pas d'endurance. Pour l'instant, il n'y a rien. On peut se dépêcher, peut-être. Il n'y avait rien. Attendez, j'ai rien récupéré. Il n'y avait rien. Wow, regarde ce fight. Et Parasitarium là contre les. Contre les autres bébêtes vénères. C'est quoi, c'est un Akatina qui s'est fait bouffer ça? Ça c'est un Dimorphodon. Là il y a un Dilo. Pas une grotte ça par pur hasard? C'est absolument pas une grotte. Va quand même rester près de chez nous. Oh, les éclairs super stylés. Le truc, c'est que j'ai pas réellement d'armure tanky. Et du coup, si je veux aller faire un tour dans les marécages, bah. Je vais pas faire grand chose. J'ai envie de voir, il tape du combien, mon Terra? Du 150! Oh la vache! Fou, il fait mal. Je pense qu'il y a moyen de le tame là. Ouh, c'est un Carnot ça, non? Ouh là là, oui, c'est un Carnot. Oh, bah t'es tombé. Oh bah c'est con. Salut. Et tu viens? Bah voilà quand même. Oh là là. Attendez juste.
pas les dinosaures qui piquent des items Créature. Autre option. Statut passif, ok. Bon, on va essayer un truc. Toi, je te pose là. Qu'est-ce qui me fait mal? Y a pas un truc genre un rocher ou je sais pas quoi. Peut-être là. Non même. Peut-être dans l'eau, mais c'est dangereux quoi. Allez, juste que je puisse le voir. Oh! Ouf. Ça fait mal. Je suis plus rapide que lui, je crois. Non, 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 non. Tu arrêtes de devenir comme ça. Ok, allez. Allez, cours. Ouch. Le truc, c'est que je sais pas le level combien. Allez, cours. Ah ah ah! C'est plutôt bon signe ça! Oh nice! Ça aura pas été de tout repos! Où les Mongols qui étaient endormis là. Allez, crève, j'ai besoin de viande. Ah, c'était pas simple en vrai. Alors attendez. Ah, Carnot, voilà. Il vient de venir, lui. Et voilà, tu te calmes maintenant. Hop.
Ouf, en vrai maintenant, je pense qu'on peut maxer l'endurance parce que le reste, est-ce vraiment important? Ouais, ça passe, j'ai pas eu ces temps de flèche que ça. Hein. Je vais prendre un peu de viande. J'aimerais juste qu'il ait faim en fait. Et là, il est tellement de nourriture qu'il va jamais manger. Pour moi, on aura notre first dino agressif. Parce que bon, toi, j'ai beau te maxer tes dégâts, tu feras que dalle. Lui, il risque d'être vénère, quoi. Je pense que je pourrais inverser des Rex, voire des Spino. Easy. Après, là, quand j'aurai un Rex, j'enverrai à tout le monde, quoi. Et en vrai. Toi, t'es ultra clash, je te veux. Oh là là. Mais quel monstre! Il touche toutes ses balles! Il est où? Il est là. Alors mange. T'as faim, hein? Alors mange. T'as juste pris la peau, t'en as pas besoin. Je lui ai donné parce que j'avais buté le. L'autre fait exprès. Bah, ça aurait été plutôt intéressant, non? Comme phase de. Tame. Voilà, alors maintenant on a un Dimorphodon. Bah, ramasser. Ok, c'est RR pour lui dire ce que c'est. Allez, je sais que t'as faim. Attends. Plus 72 niveaux? Oh la vache. Ça fait qu'il sera level quasiment 200 quelque chose. Ah ouais! Attendez, on aura un Carnot level combien là? Que je calcule. Il est level 145 et il gagne 72 levels à la fin de l'apprivoisement. Ça fait qu'il se retrouve. Ouais, 100. Dans 200. 200 combien? 220, je crois. Ouais, un truc comme ça, 222, 123. Oh, c'est top ça! Bon, juste, tu pouvais avoir faim. Ce serait cool pour moi, quoi. On va aller récolter des baies en attendant. Il se réveillera pas, hein. Ok, c'est trop lent, même pas en rêve. Ah, il y a lui. Quel dommage. Allez, bouffe. Ah. Bon, j'espère qu'il va passer dans l'eau sans trop de difficultés. Ce serait cool qu'il meure pas, quoi. Allez, viens. Dis-moi que t'es pas en train de te faire défoncer par toutes les bestioles. Mais il y a que dalle. Pourquoi je m'inquiète pour lui, moi? Je pensais qu'il y a des tas de bestioles vénères. Au final, il y a rien. Allez, viens là, mon gros. Voilà. Ah, ok. J'ai mis du temps à comprendre. Poids, va falloir monter un peu ça, par contre. Et ensuite, on part sur un max dégâts. Ouais. Merde, j'ai mis la vitesse. Oh, quel con. Vous en faites pas. Alors, attendez, on a combien de métal, là? 63. Bah, c'est pas mal. Alors attendez. On va mettre ça là. On va voir. Est-ce qu'on peut faire là? C'est le Carnot. Il faut encore des fibres et de la peau. De la peau. Il y a suffisamment des fibres. Il y en a suffisamment.
Alors. On va lui donner. Il la mérite. Je vais juste voir l'étape du combien. Et après, je vous quitte. Tu tapes du combien alors? 214. Ok. Eh bah, il va être vénère, hein, ça croyez-moi. Et surtout, il a une meilleure cadence de cadence d'attaque, je crois. Je bute qui tu veux. Tu me fais pas peur. Alors, on va mettre un peu d'énergie, voilà. Et après, on va partir en full dégâts. Mon Dieu. Ce chiffre est-il vraiment legit? Je suis à 3000% de dégâts. C'est quoi déjà lui? C'est quoi cette merde? Un trou d'on, voilà. Alors je cherchais le nom, je m'en rappelais plus. Bah, il était vénère en vrai. Je m'attendais pas à un truc comme ça, moi. J'ai plus qu'à le rendre ultra tanky. C'est tout. Pareil. La vie, je crois que j'ai pas boosté par contre. La vie, je sais plus si je l'ai boosté. On va juste essayer de 1v1, n'importe quoi, ça. Je te 1v1 easy. La vie, j'en gagne combien? Ouais, non, c'est pas mal quand même. Bon, allez. Je vais vous laisser sur ce magnifique plan. Avec mon Carnot qui est juste OP. Et du coup, petite demande pour le prochain épisode. Trouvez-moi un nom pour le Carnot et mon Dimorphodon. Allez, bye bye!